plaqué devant, j'ai utilisé le gel, mais il n'est pas du tout fixant. Ok, c'est vraiment pas du tout un gel fixant. Devant, mes cheveux commencent à ont gonflé. Et en brossant et en plaquant, en essayant de plaquer, j'ai perdu légèrement de la définition devant. Mais le reste, le braids out est plus ou moins resté. Mes cheveux sont un peu, ils sont très frisottés. Ok. Et bon, moi, j'ai pas de problème avec ça, le frisottis, parce que ça me permet d'avoir un afro boom. Et c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à avoir, sauf si mes cheveux sont vraiment puffy, frisottés, et ça me dérange pas. Mais j'ai quand même gardé un peu, comme vous pouvez voir, la définition du braids out, ok? Voilà. Bon, passons maintenant à la review. Pendant environ 3 mois, j'ai utilisé la gamme chez Scented. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Je l'ai acheté sur la boutique en ligne Jala, donc je mets le lien de la boutique en ligne au montage. Donc quand j'ai fait ma commande, j'ai acheté le shampoing, le deep treatment. Ensuite j'ai oublié le leave-in, qui me reste un petit fond. Ensuite j'ai acheté le hair butter. Ensuite, le gel, fixing gel macadamia, un truc comme ça, voilà. Et ensuite, le herbal pomade. On y va. Commençons par le shampoing. Donc, le shampoing est un shampoing sans sulfate. Je mettrai, bien sûr, les ingrédients en bas dans la boîte à description pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, le shampoing se présente comme ça. L'odeur est pas terrible. Ça pue pas, mais ça sent pas non plus bon. C'est normal. Donc, le shampoing a une texture un peu bizarre. Un peu... Ben là, il est... onctueux, mais par moments ça faisait des espèces de petits, pas vraiment des grumeaux, mais je pense que ça devait être à cause du froid et de l'hiver, parce que là il fait un peu plus chaud, là ça coule un peu plus, ça a un effet un peu gélifié. Ok, dessèche un peu les cheveux. Ok, nettoie très bien, mais dessèche un peu les cheveux. Selon la vendeuse de la boutique Nijala, il serait un peu clarifiant. C'est même très bon que le shampoing. Bon, ma lentille est un peu bizarre maintenant. Elle est un peu jaune. Bon, désolée pour cet effet un peu orange. Donc, je disais que le shampoing était un peu clarifiant. Bah, légèrement asséché les cheveux. Nettoie très bien. Un shampoing tranquille, quoi, concrètement. Un shampoing tranquille, rien de fabuleux. Je ne sais pas vraiment si c'est très clarifiant, mais en tout cas, l'effet un peu... asséchant par la suite serait dû parce qu'il est clarifiant. Deep conditioner, alors le deep conditioner, ça sent super bon, ça sent la banane, ça sent vraiment bon. Et le deep conditioner m'a bluffé. Alors la première chose que j'avais remarqué quand je l'avais acheté, c'est que il était super crémeux, mais pas crémeux épais, mais crémeux comme ça, vraiment, c'est vraiment crémeux, c'est pas épais. Et j'avais une mauvaise impression du deep treatment, du deep conditioner, mais finalement, il m'a bluffé. Malheureusement, j'ai pu l'utiliser que deux fois, et les deux fois, ça m'a vraiment bluffé. Dans le sens où le shampoing assèche pas mal les cheveux après le rinçage, ok, et le deep conditioner va vraiment restaurer le côté nourrissant, le côté hydraté, le côté moins sec, va vraiment revenir, va vraiment être restauré. Et j'ai été bluffée. Je pensais sincèrement qu'en utilisant le deep conditioner, j'aurais besoin de rajouter des huiles pour le rendre vraiment plus efficace. Et non, ça n'a vraiment pas... Vous n'avez vraiment pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Le deep conditioner fait vraiment, mais vraiment son boulot de deep conditioner, et j'ai été bluffée. Pourtant, j'avais vraiment une mauvaise impression la première fois que j'ai ouvert le paquet, et finalement, je me suis trompée. Leave-in conditioner.
Alors, le leave-in, il est un peu liquide. Non, liquide entre liquide entre liquide et crémeux. Vraiment, c'est l'entre-deux. Ok, c'est vraiment l'entre-deux. Il est supposé démêler les cheveux, si je me rappelle bien. Clean. Ah non, je me suis trompée. Ah oui. Aide à démêler les cheveux. Je ne l'ai pas trouvé super glissant, ok. Démêlez vos cheveux comme vous avez l'habitude de faire. Si vous avez l'habitude de le faire pendant que vous faites votre shampoing, faites-le. Si vous comptez acheter le produit. Sauf si vous avez des cheveux fins, ça peut faire l'affaire. Mais ça démêlait mes cheveux. Mais j'ai trouvé que le démêlage était fastidieux. Sinon, à part ça, nourrit bien les cheveux, hydrate bien les cheveux. Il n'y a rien à dire. Prenez vraiment, si vous comptez un jour acheter cette gamme, prenez vraiment le leave-in crème. Parce qu'il y a deux leave-in. Il y a un leave-in crème qui est celui-ci. Et puis, il y a un leave-in en spray. Et généralement, je n'aime pas les leave-in en spray parce que j'ai l'impression de tout simplement mettre de l'eau. Parce que c'est un bon leave-in. Un très bon leave-in. Rien à dire, franchement. Très, très bon leave-in. Et ça sent super bon. Toute la gamme sent bon, sauf le gel et le shampoing, mais sinon le leave-in, le deep conditioner, ici ça sent le coco avec un petit peu de vanille. Ça sent super bon, super bon. Ensuite, comme j'utilise la méthode LCO, liquid, crème et oil, j'ai utilisé le hair butter pour sceller mon hydratation. Bah, il n'y a plus rien. Ça sent super bon. Ça sent le marshmallow. Ça sent super bon. Ça sent le bonbon. Franchement, ça sent super bon. Donc, la crème. Le butter, le hair butter ressemble beaucoup à la crème de Karen's Body Beautiful. C'est la même consistance, le même effet, franchement. Mais le truc qui est chiant avec ce produit, c'est la quantité. Mais sans vous mentir, ça dure longtemps. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre une tonne. Prenez ce que vous avez besoin juste pour sceller votre hydratation avec avec le leave-in et ça fait l'affaire. Mais je ne vous mentirai pas que quand même, la quantité est quand même assez décevante. Sinon, à part ça, pour continuer, il y a ensuite le Herbal Pomade Exotique Amazon qui lui sent le... Je sais pas. Ça sent super bon, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur l'odeur. Ça sent la crème brûlée. Un peu de vanille. Mais plus une odeur de... Entre la crème brûlée et la vanille. Mais ça sent super bon. Donc ce produit, vous pouvez l'utiliser en alternative avec le hair butter. Soit vous utilisez ça pour sceller l'hydratation, soit vous utilisez ça pour sceller l'hydratation, peu importe. J'alternais par moment selon mes envies, mais j'aimais beaucoup utiliser ça pour donner de la brillance quand je faisais mes braids out, parce que ça fait longtemps que je ne fais plus de twist out. J'utilisais juste ça pour défaire mes nattes et ensuite donner en même temps de la brillance. Ce produit est assez identique au Burn Sugar de Oying and Med. Je ne sais pas si on va réussir à bien voir. Je vais faire comme ça. C'est la même consistance, le même aspect que le Burn Sugar de Oying and Med. Donc, dès que je l'ai ouvert, dès que j'ai testé, j'ai pensé directement à Oying. Donc, écoutez, c'est une pommade. Ils appellent ça pommade, mais il n'y a pas de cire d'abeille. Donc, moi, je considérais ça plus comme un beurre, comme l'autre. Juste que la consistance et l'aspect est différent. Mais pommade, non, mais beurre, oui. OK. Rien à dire. C'est l'hydratation et donne de la brillance. Rien à dire. Par contre, le hair butter... Oups. Ne donne pas de brillance. Ça oui, ça non. Ça ne donne pas de brillance, ça oui.
le Macadamia Fixing Gel, que je n'ai pas trouvé fameux. J'ai plus l'impression que c'est un gel d'aloe vera qu'on a mis dans un pot. Et puis c'est tout. Pourtant, les compositions sont assez, pas vraiment nombreuses, mais il y a de l'aloe vera. Il y a un truc que je connais pas. Il y a de l'huile de macadamia. Il y a du beurre, de l'huile de beurre de karité. Il y a de l'huile d'avocat. Il y a de l'huile de coco. Il y a de l'huile hydrogénée de ricin. Il y a de la glycérine végétale, un produit que je connais pas. Des vitamines, un produit que je connais pas, et du parfum. Et j'ai honnêtement pas trouvé le gel très fixant. Je l'ai très peu utilisé. Franchement, si j'avais besoin d'avoir un breads out défini, il suffisait juste que j'utilise le leave-in plus le hair butter et ça faisait vraiment un joli breads out. Le gel ne fixe pas. Peut-être que ça marche pour les textures qui peuvent être définies et avec des boucles naturelles, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ne fixe pas et ne m'a pas donné une définition supplémentaire à mon breads out. Concrètement, voilà. Donc, c'est pas un produit qui a vraiment été utile pour moi et je ne compte pas le racheter. Normalement, les notes avec cette gamme tournent autour de 13 sur 20. Okay. C'est une bonne gamme qui est 100% naturelle. Et si vous êtes psychoteuse des ingrédients, vous pouvez vous tourner sur cette gamme-là. Je n'ai pas les prix là. Donc, quand je vais faire le montage, je vais en même temps mettre les prix au montage, mais il faut savoir que j'ai eu la gamme avec un code de promotion de la gamme de la boutique Nijala, donc ça m'a coûté moins cher que d'habitude. Mais faites un tour sur la boutique en ligne Nijala, inscrivez-vous à la newsletter. Des fois, vous recevez par mail des promotions et franchement, les promotions valent la peine quand vous les recevez dans la boutique Nijala. Donc je mets le lien de la boutique Nijala au montage et en bas de description. Et si je retrouve ma facture, je vous mettrai en même temps les prix. Donc voilà, sur ces petits mots, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis peut-être à bientôt. Bye bye!